الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette cinquième journée du mois de Shawwal 1441, c'est-à-dire le 28 mai 2020, pour notre rencontre hebdomadaire dans laquelle nous étudions le livre de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala dans la description morale et physique du prophète alayhi salatu wassalam. Avant de reprendre là où nous sommes arrêtés la semaine dernière, je tenais à vous exprimer mes félicitations pour la fin du mois de Ramadan et avec un Eid Mubarak, certes en retard, mais dans tous les cas dans lequel je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter mes actions ainsi que les vôtres, en espérant que tout ce qu'on a fait durant ce mois-ci ait été accepté. Taïb, nous reprenons avec le 353e hadith de ce livre. قال المصنف رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été interrogé au sujet d'une chose. Et ici, quand on parle d'interrogation, c'est plus dans le sens d'une demande. C'est-à-dire, on n'a jamais demandé au prophète quoi que ce soit, alayhi salatu wassalam, et il a répondu non. Donc là, il est important de préciser que cette négation affirmée par Jabir radiallahu anhu, elle est dans ce que le prophète pouvait faire, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que lorsqu'il pouvait donner ce qu'on lui demandait, il le donnait. Lorsqu'il ne pouvait pas parce qu'il ne l'avait pas, alors soit il invitait la personne à revenir plus tard en espérant trouver auprès de lui à ce moment-là ce dont il a besoin, ou bien il lui donnait des invocations, il invoquait en sa faveur jusqu'à ce que la personne soit satisfaite. Et généralement, la personne était encore plus satisfaite et réjouie d'entendre les invocations du prophète à son égard que la chose qu'il lui avait demandé alayhi salatu wassalam, qu'on lui avait demandé. Et sinon, s'il n'avait pas la chose et qu'il ne pouvait pas la donner, alors il employait la négation, comme dans le Coran, lorsqu'Allah Ta'ala dit « Wala ala alladhina idha ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi » Donc lorsqu'ils viennent auprès de toi te demander de leur préparer de quoi t'accompagner, donc une monture, tu leur dis la ajidu ma ahmilukum alayhi, je ne trouve pas de quoi vous accompagner, de vous prendre avec moi. Donc lorsqu'il ne pouvait pas répondre par l'affirmative, il expliquait pour quelle raison il ne pouvait pas le faire alayhi salatu wassalam. Puis il dit rahimahullah ta'ala hadathana Abdullah ibn Imran Abu al-Qasim al-Qurashi al-Makki قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما nous informe que le prophète صلى الله عليه وسلم était le plus généreux des gens dans le bien. Donc parmi tout le monde, celui qui était le plus généreux dans la diffusion du bien, que ce soit un bien matériel ou un bien abstrait comme la diffusion de la science, personne n'était plus généreux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est en temps normal, de façon générale, sans qu'il y ait d'occasion particulière. Il donnait sans compter, sans éprouver le moindre manque vis-à-vis de ce qu'il avait pu donner à qui que ce soit. Et pourtant, il y avait une période dans l'année où le prophète était encore plus généreux qu'il ne l'était en temps normal. Alors qu'en temps normal, il était le plus généreux des gens, alayhi salatu wassalam. C'était pendant le mois de Ramadan. Lorsque, durant le mois de Ramadan, l'ange Jibril, alayhi salam,
venait à la rencontre du prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'il lui expose le Coran. C'est-à-dire que le prophète lisait le Coran à Jibril alayhi salam, et ensemble ils étudiaient le sens profond de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après que le prophète ait rencontré Jibril alayhi salam, il est encore plus généreux par la diffusion du bien que les vents envoyés. Minar-rihi al-mursala. Donc généralement, lorsque les Arabes sentaient le vent souffler, ils se disaient que c'était annonciateur de bonnes nouvelles. Comme Allah a dit dans le Coran, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih. Donc le vent, il venait en guise de bonnes nouvelles, annoncer la venue de la pluie. Et aussi, le vent diffuse sur terre les graines des arbres et les graines de tout ce qui sort de la terre comme légumes ou autres. Donc, le vent est très généreux dans ce qu'il répand autour de lui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il rencontrait Jibril, alayhi salam, avec lequel il lisait le Coran et l'étudiait, était encore plus généreux que les vents envoyés de par le bien qu'il diffusait autour de lui, alayhi salatu wassalam. Et là, on peut comprendre beaucoup de choses, notamment le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait partager cette science qu'il avait prise avec le meilleur des anges, alayhi salatu wa sallam. Et l'étudiant se doit d'en faire autant, ne doit pas garder la science qu'il a obtenue pour lui. Et il doit la diffuser tant qu'il le peut et comme il le peut. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. أنس رضي الله عنه nous informe que le prophète صلى الله عليه وسلم ne conservait rien pour le lendemain. Donc soit il s'en servait pour lui et sa famille, pour leur utilisation classique. Et s'il restait quelque chose, alors il le donnait en aumône, alayhi salatu wassalam. Il ne gardait rien pour le lendemain. Pour montrer que, déjà, il a une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait qu'il donne la subsistance à ses créatures tout le temps. Et aussi, pour montrer qu'il était conscient que du jour au lendemain, n'importe quand, son échéance pouvait arriver et le surprendre. Donc celui qui conserve quelque chose pour le lendemain ou qui prépare le lendemain, indirectement, c'est comme si il n'avait pas une confiance totale et parfaite en Allah Azzawajal dans le fait qu'il lui apportera sa subsistance le lendemain. Ou bien c'est comme s'il était sûr et certain qu'il serait là le lendemain pour pouvoir en profiter. Maintenant, ça ne s'oppose pas au fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il recevait certaines récoltes, il gardait pour sa famille ce qui leur serait suffisant pour l'année. Donc parce qu'on fait les causes d'une partie et de l'autre côté, on doit garder en tête que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui donne la subsistance à qui il le veut. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة ابن أبي لو ابن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, nous informe qu'un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a demandé de lui donner quelque chose. Le prophète lui a répondu, alayhi salatu wa sallam, je n'ai rien donc, actuellement que je puisse te donner. Cependant, va acheter ce dont tu as besoin en inscrivant la dette à mon nom. Et lorsque quelque chose me parviendra, j'irai rembourser ta dette. Donc regardez ce que le prophète faisait, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer à quel point il disait jamais non. Quand il ne pouvait pas donner ce qu'on lui demandait, il disait aux gens, allez vous endetter en mon nom et je rembourserai votre dette dès que j'aurai de quoi le faire.
عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. Alors Omar radiallahu anhu lui dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, tu lui as déjà donné. Allah ne t'a pas chargé ce dont tu ne peux pas, ce en quoi tu n'es pas capable, ce dont tu n'es pas capable de faire. Et il apparaît que cet homme-là, donc d'après la parole de Omar, n'en était pas sa première initiative. Ce n'était pas la première fois qu'il demandait au prophète de lui donner quelque chose. Et là, le prophète, en entendant cela, il n'a pas aimé la parole de Omar. Et alors, un homme parmi les Ansar a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, dépense, donne, et n'aie pas peur de la part d'Allah un appauvrissement. Ne crains pas de la part du détenteur du trône un quelconque appauvrissement. Parce que si Allah tabaraka wa ta'ala possède le trône, qui est la créature la plus grandiose dans toute la création, et celle qui a le plus de valeur et qui est la plus extraordinaire, alors celui qui possède une chose pareille, on ne peut pas craindre de sa part un quelconque appauvrissement ou bien qu'il appauvrisse ses créatures. Donc donne sans craindre la pauvreté, car le plus riche des riches est ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, après avoir entendu cette parole-là, et on a reconnu dans son visage la réjouissance. Lorsqu'il a entendu la parole du Ansari, et il a dit ensuite, c'est de cela qu'on m'a ordonné, c'est ça qu'on m'a ordonné. C'est de donner et de ne pas craindre de la part d'Allah l'appauvrissement. Parce qu'Allah Ta'ala, il a promis que chaque fois qu'on donnerait pour lui, il donnerait en échange plus encore que ce qu'on a donné pour lui. Donc on n'a pas à craindre. Et quand Omar il lui a dit, Allah ne t'a pas chargé ce que tu n'es pas capable d'accomplir, eh bien c'est un peu comme s'il lui disait, que si jamais tu as peur d'être pauvre, alors ne donne pas. Alors que nous, on ne doit pas avoir peur d'être pauvre, vu que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne. Donc ça, c'est une preuve du comportement du prophète exemplaire, alayhi wassalam. Tout comme c'est une preuve de sa confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر رزغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. On a déjà vu ce hadith précédemment, donc on va passer dessus rapidement. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec elle un petit panier qui contenait quelques dattes fraîchement cueillies et fraîchement mûres et un peu de courge de petite taille. Et elle l'a donné au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la récompenser, lui a rempli les mains de bijoux et d'or. De bijoux et d'or. Parce que c'était une petite fille à cette époque-là, radiallahu anha, et lorsqu'elle est venue de la part de son père avec ce panier plein de dattes mûres et fraîches et de courges ou de courgettes que le prophète appréciait particulièrement, alors pour la récompenser, pour ne pas la laisser partir les mains vides, alors il lui a rempli les mains de bijoux et d'or, alayhi salatu wassalam, parce que lorsqu'on lui offrait quelque chose, il acceptait le cadeau, comme on va le voir dans le hadith suivant, mais il ne laissait jamais celui qui lui offrait quelque chose partir les mains vides. Donc il donnait toujours lui aussi quelque chose à celui qui lui avait offert quelque chose. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le dit Aïcha radiallahu anha, il acceptait le cadeau. Quel que soit le cadeau qu'on lui offrait, il l'acceptait alayhi salatu wassalam. Et de là, les savants ont déduit, la majorité des savants ont déduit qu'il était recommandé d'accepter le cadeau qu'il nous offrait. Comme le prophète a incité les gens à s'offrir des cadeaux, car c'était un moyen de faire naître l'amour fraternel dans le cœur des gens. Tahadou, tahab, offrez-vous des cadeaux, vous aimerez. Donc le prophète, il acceptait le cadeau et il offrait des cadeaux aussi. Tout comme lorsqu'on lui offrait un cadeau, il récompensait la personne en lui donnant aussi quelque chose pour ne pas qu'elle reparte les mains vides et pour ne pas que cette personne-là ait une grâce sur le prophète alayhi as-salatu wassalam.
On passe au 50e chapitre de ce livre, qui a pour titre Maja'a fi haya'i Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-haya, c'est la pudeur. Et donc le prophète était très pudeur, très pudique alayhi salatu wa sallam. Et la pudeur, chez les Arabes, avant l'islam, était considérée comme un défaut et pas comme une qualité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreuses traditions et narrations prophétiques, nous affirme que, au contraire, la pudeur n'apporte que du bien. Et la pudeur fait partie de la foi. Et la pudeur est un bien total. Et il a donc incité les croyants à faire preuve de pudeur. Et dans ce hadith-là, on va avoir, dans ce chapitre-là, pardon, on va avoir deux narrations prophétiques qui vont traiter de la pudeur du prophète, alayhi salatu wassalam, comment était-elle. Avec le 359e hadith, قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه nous informe que le prophète صلى الله عليه وسلم était encore plus pudique que la Vierge dans son antre, si on peut traduire ainsi. Al-Adra, c'est la Vierge, donc celle qui n'a jamais connu les rapports charnels. Et Al-Khidr, c'est l'endroit, la chambre, si vous voulez, dans laquelle elle se cloîtrait. Donc la Vierge, avant de se marier, elle ne sortait pas. Donc entre le moment où la jeune fille devient pubère et le moment où elle est en âge de se marier, elle reste cloîtrée chez elle pour ne pas que les hommes la voient. Et donc si jamais un homme, notamment un étranger, était amené à rentrer dans son espace personnel et privé, alors la pudeur s'emparait d'elle d'une façon énorme. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus pudique que la Vierge dans son espace personnel chez elle. Et lorsqu'il détestait une chose, on le reconnaissait, Arafnahu, vous avez l'écran Urifa, mais dans la version que j'ai, moi c'est Arafnahu fi wajhihi. On le reconnaissait, nous le reconnaissions dans les traits de son visage, alayhi as-salatu wassalam. Ce qui veut dire que le pudique, c'est quelqu'un qui ne cache pas ce qu'il a en lui. Ce qu'il ressent, ça se voit sur son visage, que ce soit la joie ou que ce soit les choses qu'il n'aime pas. Et le prophète, quand il n'aimait pas une chose, alayhi salatu wassalam, ne le cachait pas. C'était visible sur son visage de par sa pudeur, alayhi salatu wassalam. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. Dans ce hadith là, Aïcha رضي الله عنها aurait dit qu'elle n'a jamais vu les parties intimes du prophète alayhi salat wassalam. Jamais. Donc là, ce hadith-là, il correspond au chapitre comme par rapport à la pudeur. Cependant, on a d'autres narrations attribuées à Aïcha radiallahu anha aussi, comme quoi elle s'est lavée avec le prophète alayhi salat wassalam dans le même bassin, alors qu'ils étaient tous les deux nus. Et à partir de là, les savants, ils ont divergé sur le jugement de regarder que les conjoints, donc le mari et sa femme, regardent respectivement leur partie intime. Et la majorité estime que ce hadith-là, qu'on a devant les yeux, le 360e, est un hadith faible, car il s'oppose à ce qui a été retenu. À ce qui a été retenu du prophète, alayhi as-salatu wassalam. D'ailleurs, certains rapporteurs du hadith ont été interrogés sur le... Les épouses du prophète ont déjà vu les parties intimes du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, il y en a un d'entre eux qui a demandé à Aïcha, radiallahu anha, qui a posé cette question à Aïcha, et elle a répondu qu'ils s'étaient lavés tous les deux dans le même bassin, alors qu'ils étaient tous les deux nus. Et ça a servi de réponse de la part de Aïcha, radiallahu anha, pour répondre à sa question. Comme quoi, si on se baigne tous les deux nus dans le même bassin, il va être difficile à ce que les parties intimes de chacun restent cachées.
Donc, oui, le prophète était pudique, alayhi salatu wassalam, mais jamais, mais il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, d'après les textes, que avec ses épouses, il n'y a pas de pudeur ou d'intimité à avoir. Et Allah ta'ala, il sait mieux. Bien entendu, avec, en dehors de la proximité de l'épouse, bien entendu, personne ne doit voir les parties intimes. On passe au 51e chapitre. Ma ja'a fi hijamati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Al-hijama, c'est ce qu'on appelle en français la saignée. Donc c'est un procédé qui a pour but de faire sortir du corps du sang qui a stagné à certains endroits jusqu'à pourrir, si on peut appeler, on peut le dire ainsi, et qui va provoquer des maux dans l'organisme. C'est un procédé qui était très ancien, qui n'est pas islamique seulement, mais qu'on trouve dans beaucoup d'ethnies et de cultures, comme en Chine ou en Afrique. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a pratiqué la saignée, et a même encouragé les gens à le faire en vantant les vertus médicinales de cette pratique, ainsi que comment dirais-je, en vantant donc les vertus médicinales de cette pratique. Et donc l'auteur ici, il a regroupé six narrations prophétiques qui nous informent que le prophète, alayhi salatu wassalam, a subi, a demandé à ce qu'on applique sur lui la saignée, et il a aussi, par reconnaissance envers celui qui l'a appliqué sur lui, il lui a fait don d'un salaire. Et il a intercédé en sa faveur. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنه قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو من أمث أو قال من أمثل ما تداويتم به الحجامة. Premier hadith, Anas radiallahu anhu a été interrogé au sujet du salaire du hajjam. Donc le hajjam à la base c'est un terme qu'on emploie pour désigner le coiffeur. Mais c'est aussi le terme qu'on emploie pour celui qui applique la saignée sur les gens. Et Rafi' ibn Khadij radiallahu anhu, ici c'est un hadith qu'on n'a pas ici, comme quoi parmi les pires salaires qu'on puisse obtenir, celui du hajjam lorsqu'il pratique la saignée sur les gens. Et à partir de là, les salafs ont divergé sur le jugement de recevoir un salaire lorsqu'on pratique la saignée sur quelqu'un. Alors on a été interrogé, Anas radiallahu anhu, à ce sujet-là, quel est le jugement du salaire de al-hajjam? Alors Anas radiallahu anhu a répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on pratique sur lui la saignée. Un homme qu'on appelle Abu Taïba, qui était un esclave, lui a donc appliqué sur lui la saignée, et le prophète alayhi salatu wassalam, non seulement lui a donné un salaire, sa'ayn min ta'am, donc 8 fois ce qu'on peut mettre entre les mains de nourriture, et en plus de ça, il a intercédé en sa faveur auprès de ses propriétaires. Comme on a dit, c'était un esclave. Et cet esclave-là, donc, il avait une charge journalière de travail, et notamment dans le travail de la terre et la récolte. Et ses propriétaires lui avaient imposé de lui donner 3 sa', on va le voir par la suite, de ses récoltes journalières. Eh bien, le prophète a été voir les propriétaires de Abu Taïba et leur a demandé de diminuer cet impôt. Et après, donc ils ont accepté, bien entendu, et après il a dit, alayhi salatu wassalam, que la meilleure des façons dont vous vous soignerez, c'est par le biais de la hijama, de la saignée. Donc ce qui indique bien que parmi les meilleurs remèdes pour se soigner, al-hijama, la saignée. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره
Donc ici, c'est Ali, ou Abi Talib, radiallahu anhu, qui nous informe que le prophète, alayhi salatu wassalam, a demandé à ce qu'on pratique sur de la saignée, et il a ordonné à Ali de donner au Hajjam, donc Abu Taïba, l'homme cité précédemment, sa récompense, c'est-à-dire son salaire pour le travail accompli. Donc tous ces textes-là vont dans le sens que cette divergence sur le jugement du salaire du Hajjam donc, donneront raison à ceux qui voient qu'il n'y a aucun mal dans cela. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. Donc Abdullah ibn Abbas, donc là ça nous fait un troisième témoignage d'un autre compagnon, on a vu Anas, on a vu Ali, maintenant on a Abdullah ibn Abbas, qui nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à ce qu'on lui fasse la saignée à l'Akhda'in. Et l'Akhda'in, ce sont les deux grosses artères qui entourent le cou. Et wa bayn al-katifayn, et entre les épaules, donc au niveau du dos bien entendu, et pas au niveau de la poitrine. Sur ce qu'on appelle Al-Kahil, on le verra après, c'est la dernière vertèbre de la colonne vertébrale, celle qu'il y a en dessous de la nuque. وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ, et il a donné donc au Hajjam son salaire, وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ, et si c'était interdit, il ne lui aurait pas donné, عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. Donc là c'est un quatrième témoignage d'un autre compagnon. Il s'agit de Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, dans lequel il nous dit que le prophète a demandé à convoquer le Hajjam pour qu'il lui pratique la saignée, puis il lui a demandé quel est ton impôt journalier. Donc il travaillait la terre et il devait sortir et devait donner comme impôt à son propriétaire 3 asur. Donc l'asur c'est le pluriel de sa, et le sa c'est ses 4 moud. Et le moud c'est ce qu'on met entre ses mains. Donc ça fait 3 fois 4, 12 fois la quantité qu'on obtient lorsque l'on réunit entre ses mains ce qu'on a récolté. Eh bien, le prophète a été voir donc son propriétaire et lui a demandé de lui alléger son impôt. Et il est passé, donc il lui a enlevé un sa'. Donc il ne devait donner plus que 2 sa' au lieu de 3. Et en plus de cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a donné son salaire pour la saignée qu'il lui avait pratiquée. قال رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. Donc ici, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit la même chose que dans le hadith précédent de Abdullah ibn Umar, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la hijama, la saignée, donc dans les deux grosses artères autour du cou, ainsi que sur la partie supérieure du dos, en dessous au niveau de la nuque. Et là, il nous donne un détail supplémentaire, c'est que le prophète, lorsqu'il pratiquait la saignée, il ne le faisait pas n'importe quand. Il le faisait soit au 17e jour du mois, soit au 19e, soit au 21e. Et certains savants ont dit que ces jours-là étaient préférables parce qu'au début du mois et à la fin du mois, le sang a tendance à stagner. Et dans ces 3 jours-là, particulièrement, eh bien, le sang, est en mouvement, en déplacement. Maintenant, si quelqu'un le fait en dehors de ces 3 jours-là, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. « Qala rahimahullahu haddathana Ishaq ibn Mansour, qala haddathana Abdul Razzaq an Ma'mar, an Qatadah, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ihtajama wa huwa muhrim bimalalin ala dhahri al-qadam. » Donc ici, Anas radiyallahu anhu, encore,
nous informe que le prophète alayhi salatu wassalam a pratiqué la hijama, donc la saignée, pardon, alors qu'il était en état de sacralisation. Ce qui nous fait comprendre que ce n'est pas interdit pour le muhrim, celui qui est en sacralisation pour faire le pèlerinage, de pratiquer la saignée. Ça ne rentre pas dans les actes interdits en rapport avec l'acte, avec l'état de sacralisation, à condition que ça n'entraîne pas d'épilation. Parce que par contre, le pèlerin n'a pas le droit de s'épiler, de se raser, de s'arracher les poils. Donc si on est en sécurité par rapport à cela, il n'y a pas de mal. Sinon, ce sera à éviter. Et il a dit Bimalaline, donc Malal, c'est le nom d'un endroit qu'on trouve entre Mecca et Al-Madina. Donc c'est à peu près 17 à une vingtaine de kilomètres de la Mecque, de Médine, pardon. Et il a pratiqué cette hijama sur le haut du pied. Sur le haut du pied. Donc là, on sait que le prophète a pratiqué la hijama plusieurs fois. Et que lorsqu'il le faisait dans un des 3 jours qu'on a vu précédemment, le 17e, le 19e et le 21e. Et qu'il l'a fait sur plusieurs parties de son corps. Donc soit au niveau de la nuque, soit au niveau du haut du dos, ou bien soit au niveau des pieds. Alayhi as-salatu wassalam. Voilà pour le chapitre relatif à la Hijab. On passe au chapitre 52. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là, dans ce chapitre-là, l'auteur, rahimahullah, il va citer 3 narrations qui nous informent des différents noms que le prophète possédait, alayhi as-salatu wassalam. Donc son prénom Mohammed, c'est son grand-père Abdul Muttalib qui lui a donné, vu que son père Abdullah était mort avant sa naissance. Et il a voulu, à travers ce prénom, Mohammed, le très loué, qu'il soit loué ici-bas, sur terre et dans les cieux. Et dans le Coran, Allah il nous informe que parmi les prénoms du prophète, il a Ahmed, selon ce que Isa ibn Maryam a dit à son peuple. Et les savants, ils ont dit que Mohammed est le nom du prophète sur terre et Ahmed est le nom du prophète dans les cieux. Et donc, dans ce chapitre-là, le prophète lui-même va nous donner d'autres de ses noms, certains de ses noms, alayhi salatu wassalam. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. Ici, Mut'im, Jubayr ibn Adi, ibn Mut'im radiyallahu anhu, nous informe que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, j'ai des noms. J'ai des noms, je possède des noms. Je suis Muhammad, donc le très loué, comme je vous l'ai dit. Je suis Ahmed, le plus loué. Donc Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui dont on loue. On fait les éloges énormément de par son comportement sublissime et ses caractéristiques exceptionnelles. Alayhi as-salatu wassalam. Donc, il est très loué pour ses caractéristiques particulières, particulièrement extraordinaires. Et il est le plus loué parce qu'il est le meilleur des êtres humains de la création. Et je suis celui qui efface, celui par lequel Allah efface la mécréance. Comme qu'Allah a dit dans le Coran, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, et que tu verras les gens rentrer dans la religion d'Allah en masse, en grande quantité. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيْ, et je suis celui qui rassemble, celui auprès des pieds duquel seront rassemblés les gens. Parce que le prophète alayhi salatu wasallam sera le premier sur qui la terre se fendra et il sera le premier à être ressuscité alayhi salatu wasallam. Puis ensuite les gens seront ressuscités les uns après les autres et ils seront tous rassemblés autour de lui. Wa ana al-aqib, et je suis al-aqib. Qu'est-ce que al-aqib? Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, c'est lui qui dit à la fin alladhi laysa ba'dahu nabi, celui qui ne sera pas suivi par un prophète. Donc al-aqib, c'est-à-dire le sceau, la fin, celui qui achève la prophétie alayhi as-salatu wassalam. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Muhammad ibn Tarif al-Kufi qala hadathana Abu Bakr ibn Ayyash
عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، ونبي التوبة، وأنا المقفى، وأنا الحاشر، ونبي الملاحم، ونبي الملاحم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه nous informe que le prophète عليه الصلاة والسلام l'a croisé dans un des chemins de la ville de Médine. Et il lui a dit, Ana Muhammad, je suis Muhammad, wa ana Ahmed, et je suis Ahmed, wa ana Nabiyur Rahmah, et je suis le prophète de la miséricorde. Car Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous a informé que la miséricorde que le prophète avait provenait d'Allah Azza wa Jal. Il a dit subhanahu wa ta'ala, Fabima rahmatim min Allahi linta lahum. C'est par la miséricorde d'Allah que tu étais doux envers eux. Comme Allah a informé dans le Coran que le prophète était miséricordieux envers les croyants. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Tout comme il a informé qu'il était une miséricorde pour toute la création. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc c'est bien le prophète de la miséricorde alayhi salat wa salam. Et c'est aussi le prophète du repentir. Car Allah lui a ordonné de se repentir. Comme il a ordonné au prophète d'inciter les gens à se repentir. Et ainsi le prophète se repentait 70 fois minimum par jour, comme il l'a dit lui-même alayhi as-salat wa salam, et il appelait les gens à en faire de même. Nabiyyu at-tawbah, le prophète qui appelle les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana al-muqaffa. Al-muqaffa, vous avez deux points. Hada khata, c'est pas le muqaffi, même si c'est possible d'un point de vue étymologique. Ici, ce qui est voulu, c'est Al-Muqaffa, c'est-à-dire celui qui suit les traces de ceux qui l'ont précédé parmi les prophètes et les messagers. Comme Allah dit dans le Coran, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُولِنَا. Nous avons fait suivre leurs traces à nos messagers. Donc en parlant de Nuh et de Ibrahim, alayhima as-salam. Donc Al-Muqaffa, c'est celui qui a suivi les traces de ses prédécesseurs parmi les prophètes et messagers. Comme ça peut vouloir dire celui qui va être suivi, dont les traces vont être suivies par ceux qui viendront après lui. Alayhi as-salatu wassalam. Wa ana al-hashir, et je suis celui qui rassemble, comme on l'a vu précédemment. Wa nabiyul malahim, et le prophète de al-malahim. Al-malahim, c'est le pluriel de malhama, ce qui fait référence à la guerre. À la guerre, lorsque les corps s'entretuent, jusqu'à ce que les lambeaux de chair s'envolent et tombent au sol. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas hésité, comme Allah lui a ordonné de faire, de prendre les armes et d'aller défendre sa cause, alayhi salatu wassalam. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. Donc c'est notre chaîne de narration qui rapporte la même chose toujours d'après حذيفة. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه. On passe au 53e chapitre. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تسعة أحاديث. En fait, ce chapitre-là, c'est la seconde partie d'un chapitre qu'on avait vu qui avait le même titre, qui avait pour but, de nous montrer comment le prophète vivait modestement, alayhi salatu wassalam. Et il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, que les versions du livre aient été, entre guillemets, bouleversées, de façon à ce que ce chapitre-là se soit retrouvé dans un ordre différent que l'ordre initial. Et c'est pour ça qu'on a trouvé 9 hadiths dans ce chapitre-là, à part du chapitre initial. Et après, Allah Ta'ala, il s'est mis parce qu'on trouve certaines versions du livre où tous ces hadiths-là sont dans la première partie du chapitre. Et en plus de cela, la plupart des hadiths qu'on va voir ensemble dans ce chapitre-là, eh bien, ils décrivent le train de vie des compagnons, radiyallahu anhum, avec celui du prophète, alayhi salatu wassalam.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. النعمان بن بشير رضي الله عنهما s'adressait aux gens donc de la génération après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, en leur disant « Ne vivez-vous pas? N'avez-vous pas une vie dans laquelle vous mangez et buvez ce que vous voulez ?» Donc comme nous aujourd'hui et plus encore. « Certes, j'ai vu votre prophète alayhi salatu wassalam sans qu'il ne puisse trouver deux dates de basse qualité avec lesquelles il pouvait remplir son ventre. Tellement il mangeait peu alayhi salatu wassalam. » Donc même des dattes de basse qualité qui coûtent moins cher que les autres dattes, il n'en trouvait pas suffisamment de quoi pouvoir se rassasier avec, alayhi salatu wassalam, tellement il mangeait peu. Alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wassalam s'imposait ce genre de train de vie, parce qu'il, s'il le voulait, il aurait pu manger ce qu'il voulait, comme il le voulait. Mais il a enseigné à ses compagnons, radiyallahu anhum, qu'être repu n'est pas une bonne chose. Et que ceux qui seraient le plus repus ici-bas seront ceux qui seront le plus affamés dans l'au-delà. Comme il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, que le pire des récipients que l'on puisse remplir, c'est bien le ventre du fils d'Adam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'impose un train de vie assez strict, où il ne laissait pas son corps s'adonner à ses plaisirs, comme malheureusement la plupart des gens le font depuis toujours. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. عائشة رضي الله عنها nous informe que la famille du prophète عليه الصلاة والسلام pouvait passer un mois entier sans allumer de feu une seule fois. La seule chose qu'il y avait, c'était les dattes et de l'eau. Al-Aswadayn. Comme elle l'a dit dans un autre hadith, alayha, Ridwanullah. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait, se contentait vraiment du minimum. Et aussi, était un modèle pour ses compagnons, radiyallahu anhum, pour ne pas qu'ils cherchent à trop s'étaler dans les délices de ce bas monde. Et aussi pour montrer aux gens que ce bas monde n'est qu'une étape passagère dans laquelle on a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Ce sera au paradis, bi'idhnillahi ta'ala, que l'on pourra s'adonner pleinement au plaisir physique du corps et de l'âme. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. Abu Talha, radiallahu anhu, le beau-père de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, nous dit que durant une période, les compagnons se sont plaints au prophète, alayhi salatu wassalam, de la faim qu'ils ressentaient et qui les faisait souffrir. Et pour supporter la faim, pour essayer de l'atténuer, ils cherchaient des pierres plates qu'ils serraient à l'aide de morceaux de tissu contre leur ventre pour ne pas ressentir la faim. Et malgré cela, ils étaient torturés par la faim. Alors ils se sont plaints auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, en découvrant leur ventre, afin de montrer au prophète ces pierres qu'ils serraient contre eux pour atténuer la faim. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il a découvert son propre ventre, et qu'est-ce que les gens ont vu? Qu'il avait mis deux pierres qu'il avait serrées, deux pierres contre son ventre pour atténuer la faim. Ce qui montre que le prophète lui aussi souffrait de la faim, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, malgré la faim, la faim n'avait aucune incidence sur son état de santé. Il était toujours fort et robuste, alayhi salatu wassalam. Et il vivait avec ses compagnons, radiyallahu anhum, les mêmes difficultés dans le manque de moyens ou la pauvreté ou la faim. عليه الصلاة والسلام قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر
قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. أبو عيسى رحمه الله تعالى il explique ce que je viens de vous dire. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. Le hadith il est long, donc ce que je vais faire c'est que je vais lire phrase par phrase et traduire petit à petit. Abu Huraira radiallahu anhu nous informe qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à une heure, à laquelle personne ne sort et dans laquelle on ne rencontre personne. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر في وجهه والتسليم عليه. Donc à ce moment-là, le prophète a été rejoint par Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète est venu de voir Abu Bakr à une heure à laquelle personne ne sort et où on ne rencontre personne. Dit Abu Bakr, qu'est-ce qui t'amène? Où Abu Bakr, qu'est-ce qui t'amène? Alors Abu Bakr répond, je suis sorti à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir contempler son visage et le saluer. فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله. Et donc pas longtemps après, Omar les rejoint et le prophète lui dit la même chose. Qu'est-ce qui t'amène au Omar? Et là Omar lui répond, c'est la faim au messager d'Allah. قال صلى الله عليه وسلم أنا قد وجدت بعض ذلك. Et là le prophète lui a répondu, et moi aussi je ressens la même chose que toi approximativement. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشجر والشاء. Donc ils se rendirent auprès de la à la maison, ils se rendirent à la maison de Abu al-Haytham ibn al-Tayyihan qui s'appelle Malik rahim radiyallahu anhu al-Ansari, qui était un homme qui possédait beaucoup de palmiers et d'arbres et de moutons. ولم يكن له خدم فلم يجدوه. Et cet homme-là, malgré ses biens matériels, ne possédait pas de domestique pour qui travaillait pour lui. Donc quand ils sont arrivés chez lui, ils n'en ont pas trouvé chez lui. فقالوا لامرأته, il dit à sa femme, أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. Il demandait à sa femme, où est ton époux? Elle répondit, il s'en est allé nous ramener de l'eau potable. De l'eau potable que l'on peut boire. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها. ثم donc pas longtemps après, Abu al-Haytham arriva avec lui donc une jarre pleine d'eau qu'il portait difficilement de par sa lourdeur. Elle était pleine d'eau et lourde. Donc il l'a posé en les voyant. ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. Donc lorsqu'il a vu le prophète chez lui, enfin devant chez lui, عليه الصلاة والسلام, il a posé la jarre et il a été le prendre dans ses bras en donnant en rançon contre lui son père et sa mère, comme les sahaba le faisaient radiallahu anhum à l'époque lorsqu'il le voyait, عليه الصلاة والسلام, tellement il l'aimait, عليه الصلاة والسلام. ثم أن انطلق ثم انطلق بهم إلى حديقته. Donc après il les a amenés à son jardin. فبسط لهم بساطا. Donc il leur a il a posé une couverture pour qu'ils puissent s'asseoir par terre et qui fera aussi office de nappe. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. Puis après, il s'est rendu à un de ses palmiers et il est venu avec donc un régime de dattes qui était plein de dattes mûres et fraîches. Et il l'a posé devant eux. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam afala tanqaita lana min rutabihi. Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu n'as pas seulement cueilli
des dates mûres et fraîches et laisser le régime sur place pour que les dates qui ne sont pas encore mûres aient le temps de mûrir par la suite. Alors Abu al-Haytham il a répondu: Faqala ya Rasulallah, inni aradtu an takhtaru aw qala takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Donc il a dit: j'ai fait cela pour que vous choisissiez vous-même, que vous choisissiez vous-même les dates qui vous conviennent, qu'elles soient bien mûres ou un peu mûres. Donc ils mangèrent et burent de l'eau que Abu al-Haytham avait été chercher pour sa famille. Après le prophète a dit à Abu Bakr et à Omar et à Abu al-Haytham: voici par celui qui a mon âme dans sa main, le délice sur lequel vous serez interrogé le jour de la résurrection. Fait référence au verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis vous serez interrogé ce jour-là sur le délice. Et l'interrogation, elle sera de deux types. Pour les pieux, ce sera سُؤَالُ امْتِنَانِ, c'est-à-dire que Allah ta'ala rappellera ses bienfaits à ses serviteurs pour voir s'ils ont été reconnaissants, ou il les interrogera pour les réprimander parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Puis il a dit une ombre fraîche, des dattes mûres et de l'eau froide. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات ضر فذبح لهم عناق أو جديا. Donc après cela, Abu al-Haytham, il n'a pas voulu s'arrêter là, et il a été chercher de quoi faire à manger pour le prophète et ses invités, Abu Bakr et Omar. Et le prophète a compris que Abu al-Haytham allait chercher un agneau ou un mouton, qu'il allait donc sacrifier et leur donner à manger. Alors le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas sacrifier une femelle qui a les mamelles pleines, donc qui en gros, qui allaite ses petits. Et donc, Abu al-Haytham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi donc un agneau qui ou plutôt une brebis qui est encore petite et qui n'a pas encore un an. Après l'avoir sacrifié, l'avoir dépecé et l'avoir donc préparé à manger, il leur a apporté fa'atahum biha fa'akalu. Et ils le mangèrent. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: hal laka khadim? Alors le prophète il a dit à Abu al-Haytham: est-ce que tu as un domestique, un serviteur? قال لا أبو الهيثم répondant قال فإذا أتانا سبي فأتنا. Donc il dit à Abu al-Haytham: lorsque des captifs de guerre, des prisonniers de guerre nous seront apportés, viens me voir, que je te passe, que je te donne l'un d'entre eux, qu'il devienne ton esclave. Et là le prophète il a voulu donc rendre l'appareil à Abu al-Haytham radiallahu anhu pour tout le bien qu'il leur a procuré, comme on l'a vu précédemment. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث. Donc plus tard, deux prisonniers furent apportés au prophète alayhi salatu wassalam. Fa'atahu Abu al-Haytham, donc comme le prophète l'avait demandé, Abu al-Haytham est venu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam: ikhtar minhuma. Le prophète a dit à Abu al-Haytham: choisis l'un d'entre eux. Faqala Abu al-Haytham radiyallahu anhu: ya nabiy Allah, ikhtar li. Abu al-Haytham a dit au prophète: choisis pour moi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: celui qu'on consulte doit être digne de la confiance qu'on lui porte. Choisis celui-ci, car je l'ai vu prier, et sois bon envers lui. Alors, أبو الهيثم فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc أبو الهيثم il a pris avec lui le prisonnier de guerre. Et lorsqu'il a été voir son épouse, il l'a informé de ce que le prophète lui avait dit, alayhi salatu wassalam. Et là, l'épouse de Abu al-Haytham, radiallahu anha, a mieux compris ce que le prophète a voulu dire qu'Abu al-Haytham lui-même. فَقَالَتْ إِمْرَأَتُهُ مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ حَقَّ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ. Elle lui a dit: tu ne pourras jamais exécuter sa recommandation à son égard, comme quoi d'être bon envers lui, si ce n'est de l'affranchir, de le libérer. Faqala Abu al-Haytham fahuwa atiq. Et donc Abu al-Haytham il a acquiescé et confirmé l'interprétation de son épouse de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et sur le champ, il a dit dans ces cas-là, il est libre.
et je la franchis. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليقة ولا خليفة عفوا إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. Puis le prophète l'a conclu en disant sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas un prophète ou un gouverneur ou quelqu'un qui a l'autorité parmi les gens sans qu'il n'ait avec lui deux groupes de personnes, ou plus précisément deux personnes qui lui sont proches et qui vont le conseiller et qui vont le conseiller dans toutes les affaires importantes qui le concernent. Soit cette personne-là sera quelqu'un qui lui ordonnera le bien et lui interdira le mal, ou soit ce sera quelqu'un qui fera tout pour pervertir ses affaires et donc le mettre dans les problèmes. Puis le prophète finit en disant, et quiconque est préservé du mauvais conseiller, alors il sera préservé du mal entièrement. Et là, bien sûr, il fait référence à l'épouse de Abul Haytham, car elle a bien conseillé Abul Haytham en lui disant d'affranchir l'esclave qui venait de lui être donné. Et là, le prophète, il a dit que cette épouse-là, de Abul Haytham, c'est une bonne épouse qui ordonne le bien, interdit le mal. Et l'épouse pour le mari, comme le conseiller pour le gouverneur ou autre, ce sont les gens qui sont proches de la personne qui prend les décisions et qui lui conseillent, soit de la bonne façon, en leur ordonnant le bien et en leur interdisant le mal, ou soit à l'inverse. Wal'iyadu billah. Très bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.